de passage. Pas encore terminé? Non, pas tout à fait, non, mais il y en avait beaucoup, tu sais. Mais oui, bien sûr, on finira par le savoir que tu es un bourreau de travail. Bon, dépêche-toi de finir et prépare le dîner, j'ai la migraine. Je vais m'étendre un peu. Bien. Ah, tout de même, t'as vu l'heure? Oh, mon vélo est à plat depuis le village. J'ai fait tout le chemin à pied. C'est bon, va te changer, reviens aider ta mère. Elle est en retard, comme d'habitude. Non, je ne sais pas ce qui me retient. Oh non, je t'en prie, laisse. Ça n'en vaut pas la peine. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, maman. Tu as bien travaillé? Tu as passé une bonne journée? Oh, mieux que bonne! La meilleure depuis longtemps. Ah? Mais je te raconterai plus tard. Où est l'oncle Edouard? Oh, ben veux-tu qu'il soit? Au milieu de ses livres, évidemment. J'y vais. Oh. Oh non, c'est vrai, j'oubliais. Il faut que je... Mais non, va, mais j'ai pas besoin de toi. À tout à l'heure, ma chérie. À tout à l'heure, maman. Va. Je peux entrer? C'est une question. Il y a une demi-heure que je te guette. Bonsoir, mon oncle. Bonsoir, ma grande. Tu vas bien? Je vais comme quelqu'un qui va encore être obligé de réparer ton pneu. Tu pourrais pas trouver autre chose, non? Oh non, pour cette fois, il n'y a pas de mal. Je l'ai seulement dégonflé. Tiens, serais-tu à court de clous? Non. Mais il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé, j'ai pensé que tante Marthe n'irait pas regarder de trop près. Je me suis pas trompée, d'ailleurs. Dans un sens, tu as bien fait. Tu as déjà ramassé tant de clous qu'elle finirait par s'étonner si tu ne crevais plus. Mais dis-moi, pourquoi aujourd'hui? Que se passe-t-il? Une chose merveilleuse. Jacques vient de réussir son dernier examen. Il est maintenant vétérinaire. Et en plus, il a trouvé un petit appartement. C'est pour ça que je rentre à pied. J'avais besoin d'y penser, de rêver, de m'imaginer déjà là-bas. Jacques, faudrait qu'on se marie au plus vite. Eh là, il va falloir faire avaler la pilule à ta tante. Ne l'oublie pas, ce ne sera pas une petite affaire. Mais tu m'as toujours dit de ne pas m'inquiéter, que le moment venu, je pourrais compter sur toi. Mais oui, bien sûr, seulement, je ne pensais pas que le moment viendrait si vite. Tu n'as que 19 ans, après tout. Jacques doit rester encore un an à Paris pour un stage. Je veux plus attendre. D'ailleurs, il va gagner sa vie maintenant, et moi, je peux tout aussi bien travailler là-bas. Il faut que tu m'aides, oncle Edouard, il le faut. Mais oui, va, je t'aiderai. Mais d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi tu t'inquiètes tellement. Tu n'as pas besoin de l'autorisation de ta tante pour te marier. Je sais. Je ne voudrais pas qu'elle se retourne contre maman. Elle est déjà si dure avec elle. Oui, oh, ta mère est comme moi, tu sais, il y a longtemps qu'elle écoute sans entendre. Enfin, pourquoi? Pourquoi est-elle si méchante? Oh, méchante, c'est peut-être beaucoup dire. Ta tante a un sacré fichu sale caractère, c'est vrai, mais elle n'a jamais été heureuse. Peut-être est-ce un peu ma faute. J'ai toujours trop aimé mon jardin et mes livres. Lorsque vous êtes arrivés, ta mère et toi, il y a 15 ans... 15 ans, hein? Et voilà que tu vas déjà repartir. Pas pour très longtemps, je te le promets. Jacques ne veut pas devenir un vétérinaire de salon. Dès qu'il aura terminé son stage, nous quitterons Paris et nous chercherons quelque chose par ici. C'est bon, va. Je plaiderai ta cause. Et même puisque tu es si pressé de nous quitter, pas plus tard que ce soir. Tu es déjà couché? Il me semble que ça se voit, non? Qu'est-ce que tu veux? Te parler un instant. De? De la petite. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Oh, rien de mal, rassure-toi. Oh, c'est bon, entre. N'allume pas, hein, j'ai mal aux yeux. Bien. Bien, va. Je t'écoute. Qu'y a-t-il de si urgent? Il s'agit d'un projet. Dont elle n'ose pas me parler elle-même, naturellement. Elle a essayé tout à l'heure, tu ne l'as même pas laissé parler. On dirait que ça t'amuse de la terroriser. Pauvre trésor, va aller bien la plaindre. Bon, alors ce projet. Est-ce que tu te souviens de Jacques Loubet, cet ancien camarade d'Evelyne? Oh, le petit maigrichon de l'assistance. C'est ça, oui, le petit maigrichon de l'assistance.
Sauf qu'il est devenu un grand et solide gaillard. Et qu'il est maintenant vétérinaire. Et alors ? Eh bien, depuis 3 ans, ce garçon est à Paris pour ses études. Mais ? Il est revenu en congé, assez régulièrement. Et même depuis 2 ans, il est surtout revenu pour Evelyne. Quoi ? Enfin, tu veux dire que depuis 2 ans, et dans mon dos, Evelyne fréquente cet individu ? Dans ton dos, ils se sont vus au dehors et ils ne faisaient rien de mal. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est que... Eh ben va ! C'est que quoi ? C'est que ce garçon a terminé ses études. Il va pouvoir s'établir. Et... Bref, il désire épouser Evelyne. Voilà. Allume. Pardon ? Allume, je te dis. Je veux voir la tête d'un homme qui est subitement devenu fou. Veux-tu allumer, oui ou non ? Voilà, ne te fâche pas. Pauvre bonhomme, va. Ainsi, depuis 2 ans, tu t'es fait le complice de cette petite dinde. Et tu t'imaginais sans doute qu'il suffirait de prononcer le mot mariage pour m'amadouer. Mais voyons, Marc. Et dire que ça dure depuis 15 ans. 15 ans durant lesquels tu n'as cessé de soutenir cette petite grue et mon imbécile de sœur. Je te savais hypocrite, mais je pensais tout de même pas que ça puisse aller jusque-là. Ouf. Il y a bien des choses à quoi tu n'as jamais pensé, ma pauvre amie. Et depuis plus de 15 ans, hélas. Ce qui veut dire ? Ça veut dire que je me trompais tout à l'heure en disant que tu n'étais pas vraiment méchante. Je t'ai souvent cherché des excuses, j'en ai même parfois trouvé. Mais ce devait être pour éviter de te voir telle que tu es. Sèche, mauvaise, incroyablement égoïste. Mais oui, bien sûr. Et c'est sans doute aussi par égoïsme que j'ai recueilli ma sœur et sa fille. Jeanne travaille comme 4, elle te coûte moins cher qu'une domestique. Si on faisait les comptes, tu gagnerais largement. Ah oui ? Eh bien, nous allons les faire, les comptes. Et dès demain. Seulement, je te préviens, il risque fort d'être définitif. Je peux débarrasser, Marc ? Non, pas maintenant. J'ai à vous parler. Où est ta fille ? Dans le jardin, je crois. Encore en train de musarder naturellement. Va la chercher. Bien. Qu'est-ce que tu comptes lui dire ? Je vais lui donner à choisir. Je te conseille de ne pas t'en mêler. Puisque mademoiselle veut se marier, elle doit être à même de prendre ses décisions. De quoi parles-tu exactement ? Tu la prendras en même temps qu'elle. À chacun ses petits secrets. Bon. Mais tâche de ne pas trop la brusquer, je t'en prie. Oh, c'est que ça, rassure-toi. Je suis très calme et je n'ai pas l'intention de discuter. Mademoiselle fera son choix, un point c'est tout. Eh bien, tu te dépêches, oui ? Oui, voilà, j'arrive. Ah, assieds-toi. Bon, et toi aussi, veux-tu ? Ah. Bon. Ton oncle m'a confié hier soir que tu désirais te marier. Personnellement, et si ta mère est d'accord, je n'y vois pas d'inconvénient. Vrai ? Et la seule question qui se pose est de savoir qui tu vas épouser. Comment ? Oui, que veux-tu ? Grâce à tes cachotteries, tu vas avoir le privilège de choisir entre 2 fiancés. 2 fiancés ? Parfaitement. Léon Richard, le propriétaire du bazar, m'avait demandé ta main pour son fils. Ignorant tout ton dévergondage et ce garçon représentant pour toi un parti inespéré, j'avais naturellement dit oui. Oh, mais voyons, Marc... À toi, je t'en prie, hein. Tu donneras ton avis quand on te le demandera. Bon, mais je n'ai pas besoin de maman pour répondre. C'est non. C'est Jacques que jamais c'est lui que j'épouserai. L'amour est une chose et le mariage en est une autre. À ta place, je prendrai le temps de réfléchir. Pas la peine, c'est tout réfléchi. Parfait. Dans ce cas, je vous donne 1 semaine à ta mère et à toi pour emballer vos affaires et quitter cette maison. J'ai cru comprendre que ton vétérinaire disposait d'un appartement. Il sera certainement ravi de vous héberger toutes les deux. Ah non, cette fois tu passes les bords. Non, c'est pas possible, Martine. Je n'ai pas terminé. Je dois voir le notaire vendredi. Je comptais lui parler de ce mariage avec le fils Richard. Eh bien, j'irai, de toute façon.
Et s'il n'est plus question de ce mariage, j'en profiterai pour changer mes dispositions testamentaires. Quoi qu'il arrive, soyez assurés que vous n'aurez rien. Ni la maison, ni un centime. Et n'espérez pas qu'Edouard me survivra. De toute façon, ce serait pareil. Mais ça, mais tu deviens folle ou non, quoi? Non, 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 laisse, oncle Edouard, ce n'est pas la peine. Et toi, maintenant, tu peux aller chez ton notaire sans plus attendre. Si tu as cru m'influencer avec tes histoires de gros sous, c'est que vraiment tu me connais mal. J'attendrai quand même vendredi. Mais ne vous y trompez pas. Si quelqu'un doit changer d'avis, ça ne sera certainement pas moi. Oh. Oh, bon Dieu. Je vais téléphoner à Jacques pour qu'il nous cherche un hôtel. Nous partirons dans 2 jours. Oh, un instant, ma petite fille, pas si vite. Réfléchissons d'abord. Mais à quoi? Tu ne penses tout de même pas que... Mais que non, non, bien sûr. D'ailleurs, je ne suis pas en train de penser à ton mariage. Je pense au mien. Au tien? Oui, au mien, oui. 35 ans. Il y a 35 ans que je fais le dos rond, que je dis oui, amen, à tout. Et que ta tante me prend pour un doux imbécile. Eh bien, crois-moi si tu veux, ma petite fille... Mais je sens que tout ça va changer. Bonjour, ma petite fille. Bien dormi? Oui. Oui, très bien. Maintenant que le départ est proche, je me sens beaucoup plus calme. Eh bien, moi, j'ai très mal dormi. Mais je ne le regrette pas. J'ai passé une partie de la nuit à réfléchir et j'ai pris une décision. Je pars avec vous. Qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas riche, je n'ai que ma retraite et quelques économies. Je ne pourrai sans doute pas vous aider, mais je ne serai pas à votre charge. C'est le principal. C'est impossible, voyons, tu n'y penses pas. Depuis 3 jours, j'essaye en vain de parler avec ta tante. J'ai eu beau supplier, tempêter, menacer, rien n'y a fait, elle ne m'entend même pas. Mais je te l'avais dit, j'en étais sûre. Enfin, c'est pas une raison pour... Edouard. Edouard. Oui, 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 Cathy. Ah, tu es là, Evelyne. Eh bien, Marthe n'est pas dans sa chambre, elle a disparu. Disparu? Bah oui, j'ai cherché partout, elle n'est pas dans la maison. D'ailleurs, son lit n'est même pas défait. Ah, bon? Comment, ah bon? Il fallait commencer par là, voyons. Si son lit n'est pas défait, c'est qu'elle n'a pas couché là. Et si elle n'a pas couché là, il était inutile de fouiller toute la maison. Oh, mais c'est impossible. Où voulez-vous qu'elle soit? Maman a raison, elle ne sera tout de même pas partie sans rien dire. Est-ce qu'on sait? Depuis quelques jours, j'en arrive à me demander si elle n'est pas vraiment folle. Passez-moi le beurre, voulez-vous? Pardon? Le beurre, s'il vous plaît. Ah ben vrai, ah ben, ça n'a pas l'air de vous couper l'appétit. Il y a plus important que l'absence de Marthe. Asseyez-vous et écoutez-moi. Voilà. Je pars avec vous, ma bonne Jeanne. Où ça? Comment où ça? À Paris, pardi. Je reprends ma vie de garçon. Vous plaisantez? Je vous emmènerai manger des glaces et nous irons faire du bateau sur la Marne. Non, je t'en prie, oncle Edouard, cette disparition m'inquiète. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment veux-tu que je le sache, ma petite fille? Ta tante a dû sortir de bonne heure, elle aura fait son lit avant de partir, voilà tout. Mais depuis 15 ans que je suis là, Marthe n'a jamais fait son lit elle-même. Et puis ça m'étonnerait qu'elle soit sortie pieds nus et en chemise de nuit. Qu'est-ce que tu dis? Mais oui, son armoire est au complet, il n'y manque ni une robe, ni une paire de chaussures. Diable. Mais voilà qui commence à devenir plus sérieux, en effet. Ah. Je me demande... Qu'est-ce que c'est? Jacques! Oh, Jacques, mon chéri! Ah. Eh ben... Oui. Décidément, il est dit que je ne finirai pas mon petit déjeuner. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bien, je suis venu vous chercher, ta mère et toi. Bonjour, ma chérie. Jacques. Vous voyez, ma bonne Jeanne, le ciel protège les amoureux. Si Marthe avait été là, ses charmantes retrouvailles, on eût été gâchés. Viens, tu peux entrer, ma tante n'est pas là. Oh non, de toute façon, je l'attendrai, j'ai envie de lui dire 2 mots. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Moreau. Très heureux de vous voir, mon garçon. Bonjour, monsieur Loubet. Je vous demande pardon d'arriver comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette voiture? Ah ben, je l'ai louée pour vous emmener. J'ai pensé que ça serait plus agréable que le train. Et quand es-tu parti? Ce matin, à 4h, j'arrive à l'instant. Et là, cher monsieur, vous arrivez en plein drame. Ma sœur a disparu.
Disparu? Oui. Alors, n'exagérons rien. Ma femme s'est absentée en oubliant de nous prévenir. Voilà tout. Que ça ne vous empêche pas de vous asseoir et de prendre un solide petit déjeuner. Rouler de nuit ouvre l'appétit, c'est bien connu, hein? Eh bien, Evelyne, hein, qu'est-ce que tu attends pour préparer des tartines à ton fiancé? La gendarmerie arrive, le brigadier Daven. Bon, très bien, j'y vais. Et moi? Allez dans votre chambre. S'il demande à vous voir, j'irai vous chercher. Mais qu'est-ce que je devrais lui dire s'il m'interroge? Vous avez quelque chose à cacher? Moi, rien. Eh ben alors, c'est très simple, vous n'aurez qu'à lui dire la vérité. Allez, ne vous inquiétez pas. Ouf. C'est égal, j'avais raison, nous aurions dû aller au-devant et faire une déclaration. Vous oubliez les enfants? Depuis 48 heures, il court la forêt, il se dort au soleil. Ce qui est tout de même plus amusant que de se tenir à la disposition des gendarmes. Oui, et bien ce soir, gendarme ou pas gendarme, vous aurez droit à un cataplasme. Vous avez une toux qui ne me plaît pas. Allez, nous verrons ça, sauvez-vous. La gendarmerie va s'impatienter. Bonjour, brigadier. Bonjour, monsieur Moreau. Qu'est-ce qui vous amène? Besoin d'une petite consultation pour vos rosiers, je parie. Ah non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, je suis en service commandé. Diable! Eh bien, entrez, je vous en prie. Merci. Pardon. Tenez, venez par là. Asseyez-vous. Merci. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Non, rien, je vous remercie. D'ailleurs, je suis un peu pressé. Eh bien alors, allez-y, je vous écoute. Eh bien, c'est au sujet de votre femme. Ah ah! Est-ce qu'elle est là? Non. Pas en ce moment. Vous savez où elle est? Disons que je compte le savoir bientôt. Ma femme n'a jamais été très pressée d'écrire. Ah bon, elle est en voyage? Peut-être bien, oui. Comment ça peut-être? Je ne pourrais pas jurer qu'elle est en ce moment même en train de voyager. Peut-être s'est-elle arrêtée quelque part. Non, écoutez, monsieur Moreau, votre femme avait un rendez-vous chez le notaire. Elle n'y est pas allée. Vous avez répondu à Maître Noiret qui vous téléphonait qu'elle était partie sans laisser d'adresse. Hein? C'est exact, oui. Et elle est partie sans prévenir personne. Et pour l'instant, nous sommes sans nouvelles. Autrement dit, elle a disparu? Oh, disparu, vous allez un peu vite. Ma femme s'est absentée, voilà tout. Ah, désolé de vous contredire, mais pour nous, c'est une disparition. Et pourquoi n'avez-vous rien dit? Pourquoi vous n'avez-vous pas fait une déclaration? Est-ce que je sais, moi? Peut-être par peur qu'on ne la retrouve. Pardon? Ma femme a voulu partir. Grand bien lui fasse, qu'elle reste où elle est. Depuis 3 jours, cette maison est merveilleusement tranquille. Mais enfin, vous vous rendez pas compte? Enfin, vous allez vous attirer des tas d'ennuis, on va vous soupçonner. De quoi? Eh bien, du pire, probablement. Que voulez-vous que j'y fasse? La disparition de ma femme me faisant plutôt plaisir, je ne vais pas me mettre à jouer les désespérés. Ah oui, mais qu'est-ce que je vais mettre dans mon rapport, moi? Que vous êtes content comme ça et que vous ne voulez pas qu'on la retrouve? Vous mettrez ce que vous voudrez. Ça m'est complètement égal. Non, écoutez, monsieur Moreau, tout ça n'est pas sérieux. Enfin, vous êtes un homme respectable. Tout le monde vous aime bien, mais c'est pas une raison. Ben, si je rapporte ce que vous venez de me dire... Vous allez vous retrouver avec un commissaire de la Nationale sur le dos. On verra bien. Ah bon? Allez, faites votre rapport et ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis en règle avec ma conscience. Hein? C'est de loin le plus important. Pour le reste, il n'y a pas de quoi faire un drame, je vous assure. Monsieur Moreau. Monsieur le commissaire,
Vous êtes un homme très sympathique, mais n'en abusez pas, je vous prie. Une enquête est ouverte et le juge d'instruction n'est pas un plaisantin, croyez-moi. Oui, je sais, je sais. Votre femme n'a été aperçue nulle part. Il est à peu près exclu qu'elle ait quitté le pays. Nous avons fait fouiller toute la forêt, draguer l'étang et même retourner votre jardin. Rien. Alors? Alors quoi? Que voulez-vous que je vous dise? Si vous qui êtes spécialiste, vous donnez votre langue au chat, c'est tout de même pas moi qui vais vous éclairer. Oh, mais je n'ai pas besoin de votre aide. Je suis parfaitement à même de trouver une explication très plausible. L'ennui, c'est qu'elle risque fort de vous mener devant la cour d'assises, je vous en préviens. Bah, va pour la cour d'assises, tant pis. Hein. Le jury appréciera, comme on dit. Pas si vite, je n'ai pas dit mon dernier mot. Le juge était d'avis de vous inculper, mais je l'ai finalement convaincu de n'en rien faire. Persuadé que c'est exactement ce que vous souhaitez. Je ne comprends pas. Votre attitude semble incohérente, mais il n'en est rien. Vous êtes en train de nous mener en bateau, monsieur Moreau, et je peux même vous dire pourquoi. Ah, reprenons au début, voulez-vous? Et voyons un peu votre comportement. Vous dites que votre femme est peut-être devenue folle à l'annonce d'un projet de mariage. Mais il y a déjà là, de votre part, une omission volontaire. Ah? Oui, vous oubliez un qualificatif. Votre femme est peut-être devenue folle. Oui, mais c'est folle de rage, qu'il fallait dire. Et quand bien même... Ah non, mais la différence est énorme, et vous le savez très bien. Dès l'annonce de ce mariage, votre femme téléphone à son notaire et parle de déshériter tout le monde, sa sœur, sa nièce et même vous, puisqu'aussi bien vous êtes marié sous le régime de la séparation et que tout lui appartient. Exact? Oui, c'est exact. Folle de rage donc, mais certainement pas démente. Non seulement elle prémédite de vous jeter tous à la rue, mais elle va même jusqu'à vous prévenir. Joli mobile, non? Indiscutablement. Et qui vous inquiète fortement. Oh, non, pas pour vous, j'en suis persuadé, mais pour votre nièce. Vous adorez cet enfant et vous êtes bien décidé à ne pas la laisser dépouiller. Oui. Mais continuez, tout ça est parfaitement raisonné. J'étais sûr de votre approbation. Et si je continue en disant que vous avez décidé de faire disparaître votre femme, vous allez encore me dire que c'est logique. Hein? Ça ne l'est pas. Ah, c'est un signe. Si, mais c'est à partir de là que rien ne va plus. Si vous aviez fait disparaître votre femme, vous auriez le choix entre deux comportements. Au lieu de quoi, et en dépit de tout bon sens, vous nous offrez un amalgame des deux. Un amalgame, c'est-à-dire... Eh bien, cher monsieur Moreau, supposons que vous ayez tué votre femme, voulez-vous, hein? Au lieu de jouer les maris et pleurer, comme le ferait un homme ordinaire, vous choisissez de vous réjouir ouvertement. Ma femme a disparu, c'était une affreuse bonne femme, bon débarras. Bon, très bien, c'est inattendu et assez astucieux pour qu'on renonce à vous soupçonner. Mais alors pourquoi, hein? Pourquoi donner prise à d'autres soupçons en ne prévenant pas la police? Si vous êtes l'assassin, c'est complètement stupide. Conclusion, vous n'êtes pas l'assassin. Et nous comprenons moins encore pourquoi vous n'avez pas prévenu la police. Cela paraît contradictoire, en effet. En apparence, oui. Mais en apparence seulement. Car tout s'explique très bien. Si nous admettons que vous n'êtes pas l'assassin... mais que vous connaissez le coupable et que vous cherchez à détourner les soupçons sur vous. Alors là, je vous demande pardon, mais je ne comprends plus du tout. Monsieur Jacques Loubet, le fiancé de votre nièce, prétend être arrivé ici le matin même de la disparition de votre femme. Pourquoi prétend? Parce que, cher monsieur Moreau... il ne peut pas le prouver, tout simplement. Tout comme il ne peut pas prouver avoir quitté Paris à 4 heures du matin. Ayant loué une voiture la veille au soir et personne ne l'ayant vu depuis, il a très bien pu arriver ici au milieu de la nuit. Oh, bah, c'est ridicule, voyons. Vous n'allez pas me dire que vous soupçonnez sérieusement ce garçon. Et pourquoi pas? Hein? Et, puisqu'à partir de là, tout se tient.
Trois jours plus tôt, votre nièce m'avait téléphoné pour lui annoncer l'opposition de votre femme, ses menaces et son rendez-vous chez le notaire. Il a donc eu 48 heures pour élaborer un plan et le mettre à exécution, ce qui était largement suffisant. Eh bien, allez-y. Je serais curieux de savoir comment il s'y est pris. Ah. Vous dites que tout se tient, mais finalement, vous n'expliquez pas grand-chose. Attendez, j'y arrive. La veille de la disparition, Jacques Loubet loue une voiture et quitte Paris vers 8 ou 9 heures du soir. Il arrive ici dans la nuit, probablement vers 1 heure du matin, et il pénètre dans la maison, ce qui, reconnaissez-le, n'est pas bien difficile, puis dans la chambre de votre femme, qu'il assomme, étrangle ou chloroforme aussitôt. Remarquez que je laisse place à une alternative, n'est-ce pas? Hein? Il n'est pas sûr que votre femme soit morte. Loubet peut très bien la tenir séquestrée quelque part. Ça n'est plus une hypothèse. C'est du roman feuilleton. Non, je vous en prie, laissez-moi finir. Hein? Une fois votre femme neutralisée, Loubet refait soigneusement le lit, ce qui, entre parenthèses, est une excellente idée. Mais, malheureusement, pour lui, commet l'erreur d'emmener sa victime sans vêtements. On ne se met pas en chemise de nuit avant d'avoir défait son lit. Hein? Mais, et où l'aurait-il emmené, selon vous? Ah, ça, mon cher ami, ça, alors là, je l'ignore. Non. Disposant d'une voiture et de plusieurs heures, il a pu aller n'importe où. Non, l'important était qu'il fût de retour assez tôt pour avoir effectivement roulé la nuit. N'est-ce pas? De jour, on fait parfois de mauvaises rencontres. Oui. Et voilà pourquoi, cher monsieur, vous essayez d'attirer les soupçons sur vous-même. Parce que vous savez, ce garçon coupable, et pour lui permettre d'échapper. Pardon. Vous avez raison. Tout cela se tient parfaitement et je rends hommage à votre imagination, monsieur le commissaire. Je vais même plus loin, voyez-vous. Votre hypothèse est si parfaite qu'on se demande pourquoi vous n'y croyez pas. Pardon ? Alors, je vous en prie, cessons ce petit jeu. Vous êtes persuadé que j'ai tué ma femme. Et pas un instant, vous n'avez soupçonné qui que ce soit d'autre. Votre histoire était uniquement destinée à me faire avouer. Vous pensiez qu'en entendant accuser ce garçon, je m'empresserais de vous dire la vérité. Et vous la connaissez, cette vérité, bien entendu. Oh non. Non, monsieur le commissaire, non, soyez beau joueur. Vous avez bluffé, vous avez perdu, soit. Mais ne tombons pas dans la banalité des questions directes, non. Essayez de trouver autre chose, voyons. Franchement, ma petite fille, je ne te comprends pas. Tu n'es pas raisonnable. Oui, ton oncle a raison. Mais il ne l'est pas plus que toi. Enfin, oui ou non, allez-vous vous décider à voir le médecin? Ah, fichez-moi la paix avec ça. Je vais très bien. Ah oui, voilà. Evelyne. Mon oncle. Tu te maries dans 2 mois. Il est convenu que Jacques et toi prenez le premier étage. Bon, et qu'est-ce que tu attends pour commencer votre installation, sapristi? J'ai peur. Peur? Oui, de voir surgir brusquement ma tante. Par moments, j'ai l'impression qu'elle n'attend que ça, que nous soyons installés là-haut, Jacques et moi, et que... Enfin, mais c'est ridicule, voyons. Ta tante est morte, ma chérie. Qu'est-ce que tu dis? Mais est-ce que tout le monde pense, y compris la police? Nous ne saurons sans doute jamais ce qu'elle est devenue, mais si elle était vivante, ça se saurait. Ta mère a raison, tu sais. J'ai vécu 35 ans auprès de ta tante. Je puis t'assurer qu'elle n'est jamais passée inaperçue. Et ça vous suffit? Elle a disparu pour des barres et voilà tout. Mais enfin, ma chérie, mais tu vas pas me dire que tu la regrettes tout de même? Presque. Elle aurait pu mourir sans que je pleure beaucoup, mais disparaître ainsi, oh, non. Ouais, ben, je pensais que ça te ferait plutôt plaisir, moi. Plaisir? Et pourquoi pas? Elle nous a toujours détestés. Elle se préparait à nous faire des tas d'ennuis. Et qu'elle ait disparu juste à ce moment-là ne change rien. Elle était mauvaise. Et nous vivrons très bien sans elle. Non, maman. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Il y aura un policier derrière la porte. Il t'arrêterait, séance tenante. Mais ça ne changerait rien à ce que je dis. Et pour une fois que je vis de mon cœur, j'irai jusqu'au bout.
Ma sœur a toujours eu une âme de despote. Sous prétexte qu'elle avait 10 ans de plus que moi, elle m'a toujours considérée comme sa chose. Quand notre père est mort, j'ai cru lui échapper, mais malheureusement, je n'ai fait que des bêtises. Ma part d'héritage a fondu comme neige au soleil, et j'ai trouvé le moyen de me faire abandonner avec toi sur les bras. Oh, je n'ai pas pleurniché. Et c'est pas ça qui m'aurait fait revenir, remarque. Le travail ne m'a jamais fait peur et j'avais ma fierté. Ah, hélas, tu es tombée malade. J'avais besoin d'argent pour te faire soigner et il a bien fallu que je m'adresse à elle. C'est comme ça que tu es revenue ici? Oh, oui et non. Si le médecin ne t'avait pas recommandé la campagne, j'aurais remboursé Marthe et je me serais bien gardée d'accepter son invitation. Seulement, tu ne pouvais pas rester en ville. Et je ne voulais pas me séparer de toi. J'ai donc dit oui, provisoirement. Et puis, la gentillesse de ton oncle a fait le reste. Grâce à lui et en dépit de ma sœur, nous avons été plutôt heureuses. Ah, seulement maintenant, ne me demande pas de pleurer l'absence de Marthe. Où qu'elle soit, je trouve qu'elle y est très bien et je souhaite qu'elle y reste. Là-dessus, excusez-moi, mais j'ai mon dîner à préparer. Eh ben ça alors. Ah oui, ça alors. J'avoue que... On dirait sa sœur. Édouard. Oui. Édouard, c'est encore ce policier de malheur. Je lui ai dit que vous étiez malade et couché, mais il insiste. Il dit qu'il est venu en ami. Eh bien, mais faites-le entrer, voyons. Non, faites-moi plaisir, laissez-moi le renvoyer. Un de ces jours, à force de parler, vous finirez par lui en dire trop. Ça, ma bonne Jeanne, regardez-moi un peu. Que voulez-vous dire exactement? Mais rien que ce que je dis, là. Tout brave qu'il soit, cet homme est quand même un policier. Oui. En somme, vous pensez que j'ai quelque chose à cacher? Oh, moi, je ne pense rien du tout. Mais ça ne m'empêche pas de réfléchir. Oui. Oui. Eh bien, laissez entrer le commissaire et ne vous inquiétez pas. Mais s'il dit qu'il est venu en ami, ça doit être vrai. Bon, comme vous voudrez. Bon, vous pouvez entrer. Mais ne restez pas trop longtemps, hein, le médecin a ordonné beaucoup de repos. Entendu, ne vous inquiétez pas. Merci. Alors, mon cher, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, rien du tout, je vais très bien. C'est le médecin qui fait du zèle. Il manque de malades. Alors, il se rattrape sur les bobos. Asseyez-vous. Merci. Qu'est-ce qui vous amène? J'espère que vous n'avez pas retrouvé ma femme. Ah non, 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 non. Pour un peu, je dirais même au contraire. Comment ça, au contraire? Et nous abandonnons l'enquête. Le dossier reste ouvert, bien entendu, mais il nous faudrait un élément nouveau. Pour l'instant, nous avons fait tout ce qui était possible de faire. Bon. Alors, ça ne vous fait pas plaisir? Plaisir? Ben, pourquoi diable voulez-vous que ça me fasse plaisir? Ben... Il n'est pas donné à tout le monde de réussir un crime parfait. C'est une assez jolie performance. Oh, mon cher commissaire, vous me décevez. Venir me tendre un piège aussi grossier, jusque dans mon lit? Oh non, c'est indigne de vous. Mon cher ami, vous savez très bien qu'il ne s'agit pas d'un piège. Le juge a décidé que nous ne pouvions plus rien et ce n'est pas moi qui lui dirai le contraire. N'essayez pas de vous donner le bon rôle. Avec ou sans le juge, je me demande ce que vous pourriez faire. Chercher. Vous avez déjà retourné mon jardin, bousillé tous mes rosiers, vous n'allez pas démolir la maison quand même. Votre femme n'est pas dans la maison. Ah, non. Non, car c'est la nuit même de sa disparition que vous avez pris ce méchant refroidissement. Vous avez dû sortir en oubliant de vous couvrir. Ah, alors là, mon cher, ça, j'avoue que vous êtes très fort.
des semaines d'enquête pour découvrir que j'ai pris froid en ne me couvrant pas assez, ah, ce n'est tout de même pas la portée du premier venu, ça. Eh bien, oui. Alors, cela dit, ne vous inquiétez plus pour ma santé. Nous marions les enfants dans 15 jours. Je vous fiche mon billet que je serai sur pied. Jeanne. Oui. Faites-moi boire un peu, voulez-vous? J'ai la gorge en feu. Oui. Tenez. Mais doucement, hein? Le docteur a dit pas trop de liquide. Oui, oh, le docteur. Bon. Alors, alors, restez tranquille et cessez de faire le malin, voyons. C'est pas en vous agitant que vous vous remettrez sur pied. Merci. Vous êtes un ange, ma bonne Jeanne. C'est vous que j'aurais dû épouser. Eh, allons, bon. Si vous commencez à délirer, moi je rappelle le médecin. Hein? Jeanne. Oui, Edouard. C'est bête, mais je commence à me demander si je tiendrai jusqu'au retour des petits. Oh, ne soyez pas ridicule, voyons. C'est pas avec des idées pareilles que vous allez guérir. Oh, guérir. Quand doivent-ils rentrer? Ben, bientôt, dans quelques jours. Mais non, voyons. Vous vous trompez. Il doit leur rester encore plus d'une semaine. Jeanne. Quoi encore? Promettez-moi que vous n'allez pas leur demander de rentrer plus tôt. C'est très important. Un voyage de noces. Oui. Il faut que... Mais oui, ne vous inquiétez pas. Ils iront jusqu'au bout et vous serez là quand ils reviendront. À condition que vous soyez... Bon, allons, bon, le téléphone. Bon, restez tranquille, je vous laisse un instant. Oui, oui, allez, allez, dépêchez-vous. C'est peut-être eux. Oui, je reviens. Allô? Ah, bonjour, monsieur le commissaire. Oh, mal. Mais très mal. J'ai téléphoné aux enfants, ils rentrent demain. Quoi, maintenant? Oh, j'ai peur qu'il ne soit bien faible ou ce... Non, 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 je sais, mais... Bon, très bien, ben, passez si vous voulez. Moi, de toute façon, il sera content de vous voir, oui. Oui, c'est ça. Bon, très bien. Au revoir, monsieur le commissaire. Bonsoir, monsieur le commissaire. Bonsoir, mademoiselle... Mère, pardon, madame. Comment est votre oncle? Oh, on ne sait plus. Il a l'air d'aller beaucoup mieux, mais le médecin dit que c'est la fin, qu'il ne passera peut-être pas la nuit. Oui, je sais, j'ai rencontré le docteur Laurent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis venu. Ah, bonsoir, madame Durieux. Monsieur le commissaire, écoutez-moi bien. Oui. Le curé est venu cet après-midi et il m'a dit de me rassurer qu'Edouard partirait en paix avec Dieu. Alors je ne sais pas, mais vous pourriez peut-être... Ne pas me montrer plus exigeant que le bon Dieu et le curé réunis, oui. C'est ce que vous voulez dire. Voilà, exactement. Ouais. Ça n'a peut-être rien à voir, mais je... Pardonnez-moi de vous interrompre, mais ton oncle demande à voir monsieur le commissaire, chérie. Enfin, c'est toi qui lui as non, dit... Non, non, que... non, pas du tout. Il a reconnu le bruit de la voiture. Vous pouvez entrer, il est seul, il vous attend. Bien, bien, je vous remercie. À tout à l'heure, mesdames. T'es là? Oui. Bonsoir, monsieur Moreau. Salut, commissaire. Alors, vous allez mieux, me dit-on? Je vais mieux, oui. Pas pour très longtemps, mais je vais mieux. Alors, pas de pessimisme. Je dis pas que je n'aurais pas attendu la venue d'un premier petit-neveu, remarquez.
Que voulez-vous? Il ne faut pas trop demander. Je vais marier les deux petits, leur avenir est assuré. Je pars tranquille. Et puis... Oui? J'ai souvent pensé à la mort. Je me suis toujours dit que le moment venu, j'essaierai de m'en aller sans faire trop d'histoire. Je meurs dans mon lit, bien entouré, et j'ai la chance de ne pas trop souffrir. Je ne veux pas passer le temps qui me reste à pleurer sur moi-même. Je préfère me souvenir. Bon, d'accord, mais enfin, vous y prenez un peu tôt. Je compte bien vous revoir debout. Non, écoutez, commissaire... Ah, on aurait pu cesser de me donner du commissaire. Je suis pas là en policier. Comment ça? Pas en policier? Vous pouvez pas me faire ça, voyons. C'est le policier qui m'amuse, moi. Alors ça, pour ce qui est de vous amuser, on pourra dire que vous vous êtes bien amusé. Et ça n'est pas fini. Attendez, je vous réserve encore une petite surprise. Demain. Après-demain ou plus tard. Non, écoutez, cher monsieur Moreau, vous tenez vraiment à ce que nous parlions de tout cela? Cessez de faire l'hypocrite, voulez-vous. Vous n'êtes pas venu en policier, c'est entendu. Vous auriez scrupule à m'interroger en ce moment. Bon, et la curiosité, hein? Vous n'allez pas me dire que vous l'avez laissé à la porte, votre curiosité. J'avais mis en sommeil, voilà. Mais on dirait que vous tenez absolument à la réveiller, hein? Évidemment, j'y tiens. Si je ne vous dis pas certaines choses maintenant, vous ne les saurez jamais. Oui, je sais. Non seulement vous êtes persuadé que j'ai fait disparaître ma femme, mais vous pensez que j'ai dû laisser quelques lettres explicatives et posthumes, hein? Eh ben... Vous vous trompez, mon cher. Je me trompe? Concernant mes explications a posteriori, je veux dire. Quand j'aurai fermé les yeux, vous n'aurez rien de moi. Rien, pas un mot. Non, je ne vous crois pas. Je sais que vous êtes allé chez le notaire. À la bonne heure, le policier reprend le dessus. Je suis allé voir le notaire, c'est vrai. Mais uniquement... pour me renseigner sur l'article 727. Nul ne peut hériter, etc., etc. Ma femme avait établi un testament en ma faveur. Et je me demandais si... Ça n'a pas d'importance. Si ce n'est pas moi qui hérite, ce sera Jeanne et la petite. Et pourtant, votre femme avait bel et bien l'intention de déshériter tout le monde. Hein? Mais parbleu, pourquoi croyez-vous... Je l'avais supporté pendant 35 ans. J'aurais bien été jusqu'au bout. Si elle n'avait pas menacé de s'en prendre à la petite, rien ne serait arrivé. J'ai tout essayé pour la faire fléchir. J'ai proposé d'aller vivre en ville, ce que j'avais toujours refusé. Et même sans la petite, puisqu'elle était jalouse de notre entente. Rien n'y a fait. Elle détestait Evelyne. Elle avait juré qu'elle n'aurait rien. J'ai eu beau supplier, m'abaisser devant elle. Rien. Alors, je... Oui? Oh. Ça s'est fait presque par hasard, remarquez. J'aurais voulu qu'elle disparaisse. Je le souhaitais. J'étais bien incapable de la moindre violence. Si j'avais eu une arme à feu, oui, peut-être. Mais je ne me voyais pas en train de l'assommer, de l'étrangler, ou je ne sais quoi d'autre. Et puis, brusquement, au moment même où je pensais à tout cela, elle m'a demandé de lui verser son médicament. Alors là, voyez-vous, je n'ai même pas hésité. J'ai pris le verre, j'ai mis un peu d'eau, et j'ai versé tout le contenu du flacon. Après, je suis demeuré à côté d'elle.
Oh, elle s'est endormie très vite, sans se douter le moins du monde. Et après ? Oh, après, ce fut relativement facile, encore qu'assez pénible. La nuit était plutôt fraîche et c'est probablement là que j'ai pris froid. D'une certaine façon, on pourrait presque dire que nous nous sommes tués l'un l'autre. Où est-elle, Monsieur Moreau ? Non, non, pas encore. Non, laissez-moi profiter jusqu'au bout de ma petite trouvaille. Vous êtes un policier averti, vous disposiez d'assez gros moyens, et je vous ai tout de même tenu en échec, hein ? Alors, ça n'est pas si mal, non ? Ouais, c'est même très fort, et je parle sincèrement, mais... Mais quoi ? Vous venez de me dire que vous n'avez laissé aucune lettre, pas d'explication. Alors ? Alors, ne vous inquiétez pas, mon cher. Vous connaîtrez quand même la réponse. Je vous demande simplement de ne pas être trop impatient. Juste le temps de disparaître à mon tour. Le notaire est à côté. Il voudrait te dire un mot. Bien, j'y vais. Ah, Madame Durieux. Oui. Je voulais vous dire, madame, que j'ouvrirai le testament demain, après les obsèques. Tout n'ira pas sans quelques complications, évidemment. Aussi longtemps que votre sœur ne sera pas retrouvée... Morte ou vive, nous ne pouvons rien faire de définitif. Néanmoins, ne vous inquiétez pas trop. Même provisoirement, je ferai l'impossible pour que les choses se passent au mieux. Je vous remercie, maître. Vous êtes très aimable. Ce n'est rien, je vous en prie. À demain, madame. À demain. Maître Noiret, s'il vous plaît. Oui ? Pourrais-je vous parler un instant ? À quel sujet, je vous prie ? Devinez. Dans notre profession, monsieur le commissaire, les hypothèses n'ont pas cours. Nous préférons les questions précises. Bien soit. J'aimerais savoir, cher maître, si Édouard Moreau vous a confié quelques lettres ou messages. Tout ce que je puis vous dire, sans trahir le secret professionnel, c'est que monsieur Moreau n'a laissé qu'un testament très simple. Pour le reste, vous ferez comme tout le monde. Vous attendrez demain. C'est bon, mais... Commissaire ! Commissaire ! Ah, commissaire, je vous cherche partout depuis une heure. Que se passe-t-il ? Ça, je vous le donne en mille. On vient de retrouver le corps de Marthe Moreau. Quoi ? Mais où ? Quand ? Ce matin, enfin tout à l'heure. Et alors là... Un instant, s'il vous plaît. Mon cher maître... Oui ? Je crois pouvoir vous dire, sans trahir le secret professionnel, que Madame Marthe Moreau vient d'être retrouvée. Cela dit, et... Pour le reste, vous ferez comme tout le monde, vous attendrez. Pardon. Oh, très bien. S'il vous plaît. Merci. Ouais, il n'a pas l'air content. Ne vous en faites pas, c'est exprès. Alors vite, où l'a-t-on trouvé ? Eh bien, dans le seul endroit où on risquait pas d'aller le voir. Dans le caveau de la famille. Dans le... Quoi ? Oui, c'est le père Joseph qui l'a trouvé en ouvrant le caveau pour l'enterrement de demain. Vous vous rendez compte ? On peut dire qu'il nous a bien eu. On sent de bonsoir dans le caveau de famille. Ah, ça alors ! Le père Joseph n'en revient pas. Il dit que c'est du travail de professionnel. Parce que non seulement le vieux a recimenté la dalle, mais il a collé des petits paquets de mousse sur le ciment frais. Oh, pauvre vieux. Eh bien, pas étonnant qu'il ait pris du mal. Il a dû y passer la nuit. Oui, et drôlement futé quand même. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Il était assuré que l'on retrouverait sa femme dès qu'il serait mort lui-même, mais pas avant. Et de plus... D'un seul coup d'un seul, la succession ne pose plus de problème. La gosse et sa mère sont définitivement chez elle. Eh oui, oui. En somme, tout est bien qui finit bien. Oui. Oui. Sauf peut-être... Quoi donc ? Oh non, rien. Rien. Il est normal que cela se termine ainsi, mais...
Je trouve tout de même dommage que le cher vieil homme ait pris froid si bêtement. À tant qu'à faire, il aurait pu se couvrir un peu mieux.